C'était une expérience hypnotique pour les visiteurs. Ils ont assisté au montage pièce par pièce d'un lustre en cristal de la collection Apollo. C'est Thibaut Hill qui s'est chargé d'assembler ce luminaire de la cristallerie Saint-Louis. Il est monteur de lustre, un métier qui nécessite de la délicatesse. Faire attention aux gestes. Quand on a les bras dans un lustre, on fait toujours attention où on va. Quelques règles électriques. Et après, c'est juste l'expérience. Thibaut Hill travaille pour Luxar, une entreprise basée à Peltre, à côté de Metz, spécialisée dans l'installation, l'entretien et la rénovation de luminaires en cristal. La société travaille depuis 8 ans en tant que prestataire pour la manufacture Saint-Louis. Il a déjà eu l'occasion de s'occuper de plusieurs de leurs créations, comme le candélabre du roi du Népal, 4 mètres, 1 tonne. Qui n'est pas électrifié, où il n'y a pas réellement de plan, et qui n'avait pas été démonté, je crois, depuis plus de 20 ans. Et du coup, ils ont fait appel à nous pour le déplacer. Et c'est nous qui nous sommes chargés de le démonter entièrement, le nettoyer, le réinstaller. Cette démonstration a été faite dans le cadre de la 20e Nuit européenne des musées. Le musée La Grande Place souhaitait mettre à l'honneur les luminaires contemporains de la cristallerie Saint-Louis et mettre en avant ses savoir-faire.